C'est un sondage polémique, ridicule et non représentatif pour certains. Pour d'autres, c'est celui de la peur. Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour de la présidentielle française si le scrutin avait lieu maintenant. La nouvelle présidente du Front National obtiendrait 24% si Dominique Strauss-Kahn représentait les socialistes. Et Nicolas Sarkozy aurait 21% et serait donc absent du second tour. Pour Marine Le Pen, ce sondage s'inscrit dans un mouvement plus large. C'est que cette dynamique qui s'exprime dans des sondages de tous les instituts depuis déjà un certain nombre de semaines, je la ressens sur le terrain. Donc je peux vous dire que oui, pour moi, ça correspond à une réalité. Marine Le Pen. Un mini-séisme à 14 mois de l'élection suprême, la gauche parle de manipulation et dénonce les amalgames de Nicolas Sarkozy sur l'islam et la laïcité. Le gouvernement appelle la gauche à s'interroger sur ses propres responsabilités. Le premier vrai test dans les urnes, il aura lieu dans 15 jours lors des élections locales.